Où est l'équipe? Nouvelle vidéo aujourd'hui. On a inventé un nouveau concept aujourd'hui. Alors, on Je sais pas si on l'a inventé, mais on l'a jamais vu nulle part encore. Ouais, et c'est nous qui l'avons pensé. Ouais. Ouais, on l'a inventé. On l'a inventé. Donc, en gros, nous avons mis des situations et des questions sur Insta, genre qui est le plus jaloux d'entre nous, ou par exemple on est au restaurant, qui va manger quoi, pour voir si vous nous connaissiez vraiment. Parce qu'on a déjà fait des vidéos où on parlait de nous et voilà. Tout, donc et là on va voir, si vous avez bien assimilé tout. Donc sur Insta on vous a posé des questions, vous avez répondu. On va vous dire si vous avez répondu juste ou pas, pourquoi. Et bien sûr. Et bien sûr, en mangeant. On va vous donner faim un peu parce que moi à chaque fois je regarde ça sur YouTube comment ça me donne faim. Même moi, faim. Aujourd'hui je vais me donc, manger. Je suis désolée. J'ai bien mangé de mon Mais là j'ai faim en plus. C'est parti. C'est parti. Qui est le plus jaloux entre nous deux? Vous avez répondu Maë. Maëva à 54%. Donc c'était serré quand même. C'était serré, mais vous avez faux. C'était moi. Qui est le plus jaloux? Je suis jaloux, mais on est tous les deux jaloux. On est tous les deux jaloux. Mais moi je suis un peu plus jaloux. Mais t'es plus jaloux. Voilà. On va te dire que t'es plus possessif. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça on l'a déjà dit dans une vidéo, ouais. C'est pour ça qu'on va pas trop développer. Hein. Donc deuxième question, qui dort le plus? Donc vous avez répondu à 52% Maëva. Et vous avez raison, grave. Je crois que vous avez compris, hein, ouais. Avec les stories que j'ai estimées. Même dû mettre à 90%. Ah ouais, de ouf. En vrai vous l'avez fait serré en plus, vous avez dit 52, 48, non. Dès qu'elle peut, elle dorait. Toi maintenant, toi aussi maintenant, j'étais contaminée. Ouais. Et KFC, je vais pas parler de ça. Ils nous ont mis que du ketchup. Ils ont mis que du ketchup au lieu de mettre de la mayonnaise. Qui est le plus sage? Vous avez répondu à 72% Maëva. Comment tu le prends? Bah c'est vrai. Je peux pas dire que c'est faux, c'est vrai. Vous avez raison. On est tous les deux sages en vrai. Mm. Mais t'es plus sage que moi. Genre dans la vie de tous les jours. Mm. T'es plus calme on va dire. Ouais, je suis plus calme. Moi je suis... Toi aussi t'es calme. Ouais, je suis calme. Je peux être fou aussi, t'as vu? Ouais. J'espère que vous aimez l'ASMR aussi parce que... Ah les bruits de bouche là. Ah ouais, désolé. Qui est le plus grincheux? Donc vous avez répondu Maëva à 62%. Enfin toi tu penses quoi? Ah c'est toi. Ah oui. C'est oui, toi. C'est ça. Et largement. Vous avez raison. Tellement grincheuse. Non mais. En fait je suis grincheuse quand. Tu te plains. C'est pas vrai ça? Grincheuse. Je suis grincheuse quand j'ai faim. Madame, quand t'as faim, quand t'as soif. J'ai souvent faim alors je vous laisse imaginer. Quand je suis fatiguée, donc vu que je dors tout le temps, bah je suis tout le temps fatiguée. Bref, je suis chiante, je pense. Voilà. On va au restaurant. Qui va se moquer du serveur? Vous avez répondu... Vous êtes trop fort. Vous avez répondu JS à 70%. Eh, vous nous connaissez bien, hein. Et vous avez totalement raison. Grave. En fait, et le rond derrière, c'est le rond de la ring light. Mm-hmm. Okay. En fait, j'ai pas moqué méchamment, hein. Toujours dans la rigolade. C'est un moqueur de ouf. Je suis un moqueur de ouf. Genre, moi, j'aime bien rigoler aussi. J'aime trop rigoler, je rigole tout le temps et tout. Des fois, je suis obligée de le stopper, hein. Donc, on va faire les courses. Qui va faire la liste de courses et la suivre à la lettre? Oh, les gars, Maëva à 89%. Vous êtes vraiment vous chaud. Ça, vous êtes chaud. Vous nous avez capté un peu, je pense. Un peu. En fait, moi, je suis quelqu'un, vas-y, les courses, tu vas en freestyle, tu y vas. Quelque chose qui t'intéresse, tu le prends, c'est tout. Moi, en fait, déjà, j'aime pas faire les courses. Toi, t'aimes bien? C'est ouais, je kiffe de ouf. Ah ouais? Moi, je les fais au jour le jour, les courses. Quand je suis à Paris, je fais. Ah bah oui, comment dépenser plus? J'aime pas faire les courses parce que j'aime pas traîner. Donc, ça veut dire que je vais pas aller à Auchan, mais je sais pas quoi acheter, genre. Je suis grave organisée, en fait. Si je me dis aujourd'hui je vais à Auchan, c'est parce que je sais ce que je vais acheter ce jour-là en fait. Je vais pas y aller pour me balader, tu vois ce que je veux dire ou pas? Même quand, par exemple, toi tu dis que tu fais les courses jour le jour, tu y vas parce que tu sais quoi acheter. Non. Tu tournes en rond dans le magasin? Je tourne en rond dans le magasin jusqu'à temps oh, que... Oh non, ça gâche. Moi j'aime bien faire ça. Ah j'aime pas. Je tourne en rond, je me dis... T'as un de ces mythos. Je te jure. Oh le menteur, parce que moi quand je... Je sais pas quoi prendre, ouais. Tu me cries dessus, t'en as marre, t'as envie de sortir comme ça. Non, parce que toi, si elle avait pas de liste de courses, elle va rester 30 ans dans le magasin. Et elle est indécise à mort. Elle veut jamais faire de choix. C'est vrai. Ok. Ouais, c'est vrai. Je vais les chauffer. Non, c'est dégueulasse quand tu les chauffes. Ah, mais c'est vraiment. T'as froid. Jamais goûté au micro-ondes? L'autre jour, on avait goûté. Même le poulet, il est froid. Et on dirait le poulet d'hier. Hein. C'est tout dur. On va dans un parc d'attractions. Qui va vouloir faire tous les manèges à sensations fortes? Alors là, l'équipe, vous êtes nuls. Vous avez répondu JS à 79%. C'est le contraire. C'est totalement le contraire. Moi, quand je vais dans un parc d'attraction, je kiffe visiter au truc simple. Manger une glace. J'aime pas faire des trucs à sensations fortes, moi. Mais Maëva, elle kiffe. Moi, j'aime trop. Maëva, dès qu'on est dans un parc d'attraction,
Elle veut faire le truc le plus fort. C'est pas que j'aime pas, c'est pas que voilà, j'ai peur ou quoi. C'est pas ça. C'est qu'il est plus détente. C'est que voilà, moi je suis. Genre, il va pas pour souffrir. C'est archi bien. Après, quand tu le fais, t'es content quand même. Ouais, je suis content. Tu kiffes. Donc, toujours au parc d'attraction, qui va vouloir regarder le spectacle de dauphin? Vous avez répondu, du coup, moi à 90%. 90%. Pas du tout. Pas c'est du moi. Tout. Moi je kiffe les animaux. Surtout les voir en vrai, c'est un truc de ouf. Les spectacles de dauphins, d'otaries et tout, je kiffe de ouf. C'est un enfant. Donc, en fait. Ça pique, hein. Les attractions, c'est trop nul. T'attends 10 ans pour faire 2 minutes. Donc, encore au parc d'attractions, qui va se plaindre des files d'attente, du coup? Vous avez répondu, Maëva, à 68%. En fait, je pensais que je suis la râleuse et que je veux regarder des petits spectacles de dauphins. Mais t'es toute mignonne. Ouais, de ouf. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est lui à 100%. C'est moi, j'aime pas attendre. Eh, quand je vous dis, il m'énerve. Forcément, tu vas pas dans, à part si t'as des fast-pass ou quoi, tu vas pas dans un parc d'attractions pour passer en 2 minutes. On regarde un film sur Netflix, qui va s'endormir en premier? Vous avez répondu Maëva à 72%. Et vous avez totalement raison parce que c'est une marmotte. On peut jamais regarder un film Netflix avec elle. Jamais. Si. Non. On a déjà regardé un film en entier le soir. On a réussi à faire ça peut-être 2 fois. Pas plus. Oh le mytho. On est en été, il fait très chaud. Qui va se plaindre de la chaleur? Bah moi. Et parce que c'est toi qui te plains tout le temps. Vous croyez que je suis une plaigneuse? Bon, ok, je me plains. Mais pour ça. Attends, vous avez mis Maë à 63%. Moi je supporte pas c'est la chaleur. C'est JS. Tout ce qui est chaud là, oh là là, ça me saoule. Mais... Tu sors dehors, t'as une aisselle qui te transpire. Tu profites même pas. Moi je préfère avoir chaud qu'avoir froid. Moi je préfère avoir froid, au moins tu mets tes grosses doudounes, t'es bien. Dites-nous, vous préférez avoir froid ou chaud? Ils vont dire chaud. Mais oui. Ceux qui préfèrent avoir froid, on est ensemble. L'hiver là, quand tu sors, qui fait moins 5 degrés, comment non, ça m'énerve. Je suis énervée. Je parle pas non plus de ce froid là, tu vois. Toi, t'as... dès qu'il fait 20 degrés, il a chaud, je vous jure. Moi donc, j'aime pas la chaleur. Je dors sans couette. L'un de nous deux tombe et se fait mal. Qui va s'inquiéter le plus? Vous avez répondu Maëva à 73%. C'est ça, non? Mais c'est pas ça. Ah bon? Enfin, nous deux, on s'inquiète mutuellement, mais c'est moi qui m'inquiète plus pour toi. Non, si tu te moques de ça, moi. Attends, ça dépend. Si c'est un petit bobo, genre si tu tombes comme ça, tu t'es pas fait mal. Là, oui, mais là, il y a marqué « et se fait mal ». Et se fait mal, je m'inquiète de ouf. Là. Ah ouais? Bah oui. Bah moi aussi. Oui, mais moi plus. Genre, si tu le dis après, ouais, peut-être toi. Je te jure, j'ai la situation en tête. En fait, moi, vous me prenez pour le petit con de service qui se moque de tout et de tout le monde. C'est un moqueur de ouf. Je suis un moqueur de ouf, ah ouais. On croise un SDF dans la rue, qui va avoir le plus de facilité à lui donner une pièce? Vous avez répondu Maë à 61%. Mon Dieu. Toi, t'aurais dit qui? Bah, moi, 1000 fois. Mais Maë va arrêter. Ouais, c'est vrai. Non. L'équipe, je suis pas méchant. Pourquoi vous pensez que je suis méchant comme ça? En gros, toi, t'as tous les beaux côtés et tous les trucs non, méchants. Parce que moi, je suis grincheuse. Ah bah, c'est tout. Hein. Je m'endors. Non, en vrai, dès qu'il y a quelqu'un dans la rue ou quoi, moi, j'ai trop de facilité à avoir de la peine. C'est-à-dire, même des fois, Maëva, elle m'engueule parce que je suis trop naïf. Genre, moi aussi, ça me fait grave de la peine. On a de l'empathie tous les deux. Mais toi, c'est plus naturel, en fait, on va dire. Vas-y, t'arrives direct, c'est comme ça, tu vois, tu donnes. Je réfléchis pas. Et je me dis pas qu'est-ce que j'ai dans le porte-monnaie, tu vois. Et l'équipe, ça va mal aller entre nous. Ah non, je pars de la vidéo. Moi, je... je pars. Moi, je vous kiffe, je vous aime de tout mon cœur. Et vous me faites ça. Qui pue le plus des pieds? Vous avez mis JS à 85%. Mais c'est vrai. Ce que vous savez pas, c'est qu'elle a un ragondin dans ses chaussures. Elle a un putois dans ses chaussures. Mais non. Hey, on finit une journée, on rentre, et je dois être à 10 mètres d'elle. Elle pue des pieds. Non, tu mens. Il en rajoute. Une odeur macabre. Il en rajoute, je vous jure, il en rajoute. Comme quelqu'un de sensible, il tombe dans les pommes. Non. Mais tout le monde pue des pieds, non? Non, toi c'est incroyable. À votre avis, quand nous étions au lycée, qui se levait 3 heures avant pour être prêt? Vous avez répondu, du coup, bah, c'est un peu logique. Vous avez répondu Maëva. Ça, vous pouvez pas savoir. À 82%. C'est totalement faux. C'est le contraire. Tu veux me passer ce pas, s'il te plaît? Ouais. Je vous explique. JS, au lycée, c'était au lycée ou au collège? Les deux, hein. Toute ma scolarité. Les deux, ouais. Toute ma scolarité. Il se levait 3 heures. Donc, quand je dis 3 heures, c'est pas de l'exagération ou quoi. C'est vraiment 3 heures avant son réveil pour faire ses devoirs. Parce qu'en fait, moi et l'organisation, t'as vu, ça fait. Pour faire mes devoirs, j'arrivais pas à le faire le soir. Le soir, je suis crevé, je suis fatigué. Donc, ce que je faisais, c'est par exemple, je commence à 8 heures. Je mets mon réveil à 5 heures. Je fais mes devoirs de 5 à 6.
après j'ai le temps de me préparer. Je déteste être me précipiter ou quoi. Des fois, je mettais le réveil à 4h quand j'avais des gros contrôles, tout ça. Moi, j'essayais, hein, parce que vu qu'on se parlait et tout. Tu faisais pareil. J'essayais de faire pareil. Impossible. Comment tu peux te lever le matin? Ah, j'avais un rythme de. Déjà, t'as pas envie de te lever le matin, mais en plus, tu dois taffer tes cours. Non. En plus, le matin, j'étais beaucoup plus productif. J'arrivais plus à apprendre. Il y en a, ils arrivent j'étais comme frais, ça. J'étais bien. Qui aime le plus regarder des reportages? Vous avez mis JS à 53 raisons. Serré. C'est serré. Et vous avez tout à fait raison. Non. Moi, je suis pas d'accord. Quoi? Je suis pas d'accord. C'est qui le soir qui t'envoie des snaps? Je suis en train de regarder des reportages carrément que j'ai regardé sur YouTube. Ah oui, pardon. Ah, j'ai mis que reportage. Je vais mettre reportage animalier. Ok. Là, oui, c'est toi. Ouais, c'est vrai. Reportage. Nous deux. Parce que tu regardes. Moi, je regarde plein de reportages animaliers, tout ça. Elle regarde plutôt des reportages. De tout. De tout, un peu. Et moi, sur les prisons aussi. Sur les prisons aux États-Unis, au Mexique, tout ça. Qui chante sous la douche? Vous avez répondu Maëva à 68%. Non, non elle... c'est faux. C'est faux ça. C'est JS. C'est moi qui chante. Ouais. Que je chante tout et n'importe quoi. Maëva, elle est sous la douche, je m'entends rien. Qui a le plus la tête sur les épaules? Vous avez mis Maëva à 66% et vous avez totalement raison. Maëva, elle a plus la tête sur les épaules. T'as conscience des choses plus. Enfin, moi aussi, hein. Faut pas croire que je m'en fous de tout. Un petit peu, mais c'est comme Maëva plus que moi. Comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, il est nonchalant. Ouais, je suis nonchalant. Voilà. Mais j'ai quand même la tête sur les épaules. Mais quand même, un minimum. J'ai le sens des responsabilités quand même. Ça va m'attaquer. Sache qu'on en parle à chaque vidéo. Ah, faut en parler, gars. Qui est le ou la plus chiante? Et vous avez répondu moi à 67%. Donc exactement. Merci l'équipe. Je le laisse parler. Si vous avez une main là, je vous aurais serré la main fort. Oui, elle est chiante. Voilà, y a pas d'autre mot. Maëva, elle est chiante. T'es chiante, Maëva. Je t'aime de tout mon cœur, mais t'es chiante. Vas-y, peu d'autres. Je te kiffe, mais t'es chiante, t'es lourde. Enfin, des fois, elle est calme. Mais quand elle a décidé d'être chiante, c'est incroyable. Des fois, le soir, je sors de la douche, tac, pour aller me coucher. Elle m'attend sur le lit, elle est comme ça. Elle fait, tu veux te battre, toi? Elle vient me chercher, tout ça. Elle veut se battre contre moi. Elle fait, viens, on fait un ring de boxe et tout. Donc, vas-y, on le fait. Après, je la bats. On en sueur tous les deux. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais ça énerve de ouf. Elle sait pas jouer. Elle sait pas jouer. Elle veut jouer avec moi. Après, quand je joue avec elle, elle dit elle commence à m'insulter. Elle commence à prendre le seum. Genre, quand t'es dans l'action là, et là, tu me fous des coups. Alors, j'ai tellement les nerfs. Je te. Elle me frappe de toutes ses forces, elle. Mais voilà, elle est chiante, quoi. Y a pas que ça, je vous dis ça, mais y a plein d'autres choses que Maëva, elle est. Maëva, faut avoir de la force pour vivre avec elle. Qui suit le plus les gossips du net? Ça, c'est facile. C'est facile, vous avez mis Maëva à 85%. Vous avez totalement raison. Elle suit tout. J'aime trop. Tout, quand je dis tout, c'est tout. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal. En tout cas, moi, ça me divertit. J'aime trop. Elle m'envoie des snaps, des mecs de télé-réalité. Elle me dit, ah, mais lui, il s'est remis en couple avec elle. Et lui, ah, oh, mais t'as vu Jessica, tatati, mais t'as vu. Oh là là là. J'aime trop. Lui aussi, après il suit. Hein. Du coup, moi aussi je suis. Mais après, tu comprends rien quand même. Ouais, je comprends rien. T'es trop dans ça, toi. Donc voilà, l'équipe, vidéo terminée. Donc on espère que ça vous plaira. A plus concept. Ouais, bon. Donc si ça vous plaît, on le refera avec d'autres questions. Ah oui, l'équipe, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta. Parce qu'on va faire souvent des sondages, des trucs où on interagit avec vous pour pouvoir faire des vidéos YouTube. Allez suivre JS surtout parce que monsieur fait la gueule parce que vous me suivez plus que lui. Et l'équipe. Moi je vous aime encore, encore une fois je vous le dis, je vous aime. Je vous kiffe de ouf. Sur Insta vous allez suivre que Maëva. Je pue ou quoi? L'équipe si vous m'aimez, allez me suivre sur Insta. L'équipe. Donc on vous dit à mercredi l'équipe. On vous fait des bisous. Gros bisous. À la prochaine, bisous. Moi. You